et ma sima mon kiss. Les amours à la bateau. Chaline Aliamaï. Guéménan, une première dans l'histoire. Ville créée le 13 juin 2013, après le démembrement de province, est limitée au nord par le village Bogoro, sur la route allant vers Bossobolo. Au sud, par le village Boamboko, sur la route allant vers Libengue. Guéménan signifie « rassembleur des familles » dans la langue Gwaka. Rassembleur, le mot a inspiré un digne fils du coin. Le sénateur Sangouma Mossa était mongondé pour ériger une grande muraille. La muraille Bana Guéménan Community Hero. Ceci pour célébrer les personnalités locales qui ont joué ou continuent à jouer un rôle d'inspiration pour les jeunes de Guéménan. Les soucis de cet homme d'État étaient de réconcilier le peuple du sud de Bangui avec leur histoire. Une histoire qui sera racontée et enseignée aux enfants comme souhait exprimé par le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, de heureuse mémoire. Sud de Bangui avait, selon l'histoire, beaucoup de gens qui ont beaucoup investi dans ces coins-là, mais personne ne pouvait les relever à un niveau qui convenait. Et alors j'ai pensé que vous voyez, nous, les hommes politiques, souvent nous voulons construire des grandes murailles pour nous-mêmes et pour nous faire valoir parmi ceux qui ont beaucoup investi dans notre coin. Et je me suis décidé que cette fois-ci, il faut faire les choses contraires à ce qu'on fait d'habitude. Grâce à la supervision de son fils, Pierre Nienemo Sangouma, au nom de Sangouma Foundation, en collaboration avec Tongo Elamo, les monuments des notables ayant marqué l'histoire de la province du sud de Bangui sont désormais visibles, même pour ceux qui sont déjà décédés. C'est une première dans l'histoire de la ville-province de Guéménan. La nouvelle génération qui est à Guéménan ne maîtrise pas du tout l'histoire ou les gens qui ont marqué l'histoire de Guéménan. Les gens qui ont fait que Guéménan soit ce qu'il est aujourd'hui. Raison pour laquelle, sous l'inspiration du sénateur Sangouma, il a accepté à ce que puisse concevoir ça, en mémoire de ceux qui étaient déjà partis, qui ont marqué l'histoire. Une muraille qui sert désormais de document historique pour récompenser les mérites de ceux qui ont œuvré pour le développement de la province du sud de Bangui. Cette muraille, esthétiquement, est construite en harmonie avec l'environnement naturel en incorporant le vaste ciel et le palmier environnant. C'est à Ipoko, à Guéménan 3, sur une grosse pierre, que trône cette muraille Bana Guéménan Community Hero. Les jeunes, et même le peuple de Guéménan, ils peuvent connaître leur histoire par rapport aux images. On a des fois les enfants qui disent « Oui, j'ai entendu ce nom, mais je n'ai jamais vu cette personne ». Donc c'est une manière d'amener l'histoire vivante dans les images, dans les couleurs, d'intéresser les gens pour comprendre et de continuer les conversations qui a une héros pour nous. De 20 mètres de largeur et 5 mètres de longueur, une œuvre artistique de haute facture réalisée par Idrissa Konaté et Teraye Soumaï. Aujourd'hui, la visée pour le futur, parce qu'il n'est pas oublié son arrière des enceintes, il a gardé l'histoire pour notre futur des enfants qui vont venir. Peut-être que ça sera plus évolué que ça encore. Le public a été invité lors d'une émission radiophonique à répondre à la question suivante. Qui sont le héros de Guéménan? Oui, les gens appelaient et donnaient aussi les noms des héros, les héroïnes de cette province qui ont marqué l'histoire de cette province. Comme Jean-Louis Bemba, qui avait contribué grandement au développement de cette province, et il a marqué cette contrée, c'est pourquoi il était sélectionné. Les soucis de l'initiateur Sangouma Mossa Itemongondé étaient d'impliquer directement la communauté dans la création de la muraille et sur les choix des personnalités. C'est donc le choix du public, seul le choix du public, qui a été pris en compte. Ce que le sénateur a fait, lui, n'a pas l'intérêt, mais il voulait vraiment immortaliser
immortaliser nos héros, nos héroïnes. Vous voyez, dans le temps, les gens veulent toujours étouffer les autres pour se faire valoir parmi tant d'autres. Ce n'est pas ça de ma culture. Vous voyez, une fois élevé votre prochain, c'est de là où Dieu vous élève. Et c'est ça ma position. On avait souhaité voir mon image là-bas, comme font aussi les autres, mais je n'ai pas voulu. Des contacts pris par Pierre Nienemo ont permis de faire venir un maître peintre mural du Mali. Objectif, non seulement construire la muraille de Guémena, mais aussi offrir une formation à la technique de la peinture aux fils et filles de Guémena. Trois jeunes ont participé à cette œuvre. Ces jeunes de Guémena ont pu avoir l'occasion de découvrir comment l'art peut devenir un moyen viable de soutien et ouvrir de nouvelles voies pour leur avenir. La valeur coûte beaucoup plus que l'or et c'est ce qui est important. La muraille de Guémena n'a d'égal que sa valeur architecturale. De Michel Dengue, en passant par Janom Bemba Saolona, Movoto Kelewe, pas si valu, c'est une belle page de l'histoire qui s'écrit avec finesse à Guémena, un acte salué par tous. Ici, y a vice-président, y a Sénat, Papa Sangouma, et ça, Kitoko Mingi. Pas matin, ils ont tombé la mboka na biso. Pour la génération na biso, bato o ba msusu to yeba bangote. Mais outa na likanisi na ye esungi biso le loke to yeba bato nani batika basala misala malamu awa na mboka o ezo tikala lokola ikaniseli na mboka na biso. Cette muraille revêt une importance sans pareil comme symbole de l'unité et de cohésion nationale. Souhait de son initiateur, Sangouma Moussaï Temongondé. Le peuple d'abord. Quand on parle peuple d'abord, c'est-à-dire rêver, ce que rêve, ce que pense le peuple, et c'est seulement de le faciliter à atteindre leur objectif. Lors de la réception dans sa résidence de Mbinza dans la commune de Ngaliema, le sénateur Sangouma Moussaï a clairement dit toute sa joie de voir enfin son rêve devenir une réalité, celui de rassembler les fils et filles de Guémena autour de la construction de cette muraille de héros de Guémena. Il a salué un chef-d'œuvre absolu, pas seulement en raison du caractère ambitieux que cette muraille de héros de Guémena représente, mais aussi et surtout de la perfection de sa construction. Sentiment de satisfaction pour la population, car ces bijoux deviennent désormais un bien culturel pour tous. Ils viennent d'entrer dans l'histoire de la province pour leurs nombreuses réalisations. L'équipe de la télévision nationale congolaise, RTNC, est allée à la rencontre des familles de ces personnages, dont la plupart sont morts et que la jeunesse a oubliés. Une sélection réalisée grâce à la radio Alpha Omega de Guémena. Son directeur provincial, Zabusu Sesekolo, Eric, nous raconte les étapes de la sélection des figures ayant marqué l'histoire de Guémena. Qui est Jano Mbemba Saolona, ce grand commerçant que les Congolais ont découvert? À Guémena, toute une grande avenue porte son nom. Tout commence en 1968 lorsque Jano Mbemba s'associa à Jean-Joseph Lito Mobuti, ministre des Finances de l'époque, pour créer une société commerciale et industrielle Mbemba Lito. En 1973, lors de la zaïrénisation, le ministre Lito se verra confier la gestion de la Société Générale d'Alimentation, SGA en sigle, de Congo Frigo, Vichy Congo, Labraliment et plusieurs plantations et firmes. De son côté, Jano Mbemba Saolona s'associera cette fois-ci avec Ignace Mole Kaliboke pour créer les combinats industriels de Guémena qui était un véritable gouffre à fonds industriels et financiers pour la province de l'Équateur, mais aussi pour les Congo Zaïre à l'époque. Après les associations, Jano Mbemba Saolona se décidera enfin de faire cavalier solitaire lorsqu'il aura ses plantations de café, du maïs et haricots. Il ouvrira des entrepôts avec des engins agricoles et plusieurs camions pour les transports dans le sud Ubangi. D'où l'idée de la matérialisation et création de la société commerciale et industrielle Mbemba, Sibe Zaïre en sigle. Cette société avait son siège à Kawele dans l'ancien
certaines provinces de l'Équateur. Et ce fut le 21 février 1979 que Jano Bemba Saolona créera Sibe Zaïre Airlift, une première compagnie privée d'aviation zaïroise. Sibe Zaïre avait un flotte de 6 Fokker F-27, 2 Boeing 727, 2 Boeing 707, un DC-10 avec un Falcon de 2000 personnels. Sibe Zaïre Airlift avait bonne réputation sur la maintenance, son confort intérieur, sa ponctualité, ses relations avec la clientèle et donnait une réduction de 50% aux élèves et étudiants pendant les voyages scolaires. Rappelons que Jano Bemba Saolona est né le 3 septembre 1942 à Libenge, district du sud de Bangui, dans la Sienne province de l'Équateur. Il était décédé au mois de juillet de l'année 2009. Jeudi du 7 octobre 2021, il est 13h42. Nous sommes sur l'avenue de Lubangui au numéro 7 à Guémena Centre. Ici, nous rencontrons Mama Okonzi, première femme commerçante de Guémena. Même au soir de sa vie, elle n'a pas oublié les vieilles habitudes de Mama Muziki. Ce jour-là, devant son petit étalage composé de braises, des huiles et quelques articles, elle se défend en expliquant qu'elle n'a pas perdu le goût de l'argent. Un matin, je suis sortie en m'habillant. J'ai pris les miroirs en me regardant. Je me suis dit en moi-même, ce visage ne restera pas comme ça. Je dois faire quelque chose. J'ai pris mon argent. J'ai fait des achats et suis descendue à Guémena. J'ai construit cette maison grâce à mon commerce. Les femmes aussi bâtissent et c'est une fierté pour tous. Je remercie le sénateur Sangoma Moussaï pour l'œuvre de la construction de la muraille. Que Dieu le bénisse. Les filles de la génération actuelle sont orgueilleuses. Elles doivent apprendre à travailler pour être. Elle lance un appel aux jeunes filles d'avoir à l'esprit qu'il faut travailler pour être indépendant. À 78 ans, elle est encore forte. Non loin de là, le rond-point porte le nom de Michel Dengue. Son fils aîné, Martin Dengue, que nous avons rencontré dans la résidence familiale, nous parle d'un père aimant, travailleur, rigoureux, mais aussi d'un patriote qui a sacrifié sa vie pour sa province. Maman Nangaï, papa Nangaï, Baké, na Expo 58, oui, à Bruxelles. Mon père est né en 1929. Après sa carrière pastorale, en 1958, il est présent parmi tant d'autres Congolais à l'exposition de Bruxelles. À son retour, il lui a été demandé d'abandonner la religion pour embrasser la carrière politique. L'art, la culture, les matériaux, la forme et même la technologie, rien n'a été laissé au hasard dans la construction de la Grande Muraille. Tout se fonde sur l'histoire. S'il n'y a pas l'histoire, il n'y a plus rien. Je vais demander aux politiciens de suivre ce modèle. De suivre ce modèle et précisément au président de la République, pourquoi pas ne pas soutenir une action comme celle-ci. Si la politique n'a pas été oubliée par la population de Guémena dans les choix des figures emblématiques, la religion aussi a été prise en compte, avec Tata Pelendo comme une personnalité ayant influencé l'évangélisation dans la province du sud Ubangi. Symbole d'émancipation culturelle et religieuse, Papa Pelendo, né en 1889 et décédé en 1969, a une histoire riche. Il était normal que la population s'y intéresse. Connu sous les sobriquets de Yaoundé, de son vrai nom, Palawele Wanga Martin, Yaoundé a marqué l'unique but de sa tête qui est resté dans l'histoire du football à Guémena. Sa fille, Nadine, se souvient de son père. Je suis venu à la maison de la
Ah, deux messieurs, ils ont des quotas, quotas, quotas. Les raccourcis, à côté, le man à centre, la pessie et balle, à bête, tout droit dans la poteau. Et puis, il filait. Donc, je vois que ça n'est pas la vie. Et puis, c'est la première fois. Comme je me voyais comme moi. Et puis, depuis, il y a coup fort pour bâtir. Tout le monde a reconnu. Vraiment, je remercie ma casse qui est à Sali. Pour qu'on ait sa mémoire, il y a des traces dans mon kin. Vraiment, je félicite Emi. Maman Passivalu, une héroïne vivante qui inspire respect et considération pour son parcours élogieux. Première femme, élue députée de sa circonscription, elle est aujourd'hui au service de la nation au niveau du Sénat congolais. Je suis en train de regarder la muraille construite à Guémena et je trouve que j'occupe la troisième place de gauche à droite. C'est dit un fils-là. Il doit être un Moïse pour nous, pour moi. Pour moi, je sais que j'ai été engloutie, je ne fais plus la politique. Et voilà que Dieu l'a envoyé pour me ressusciter, pour que je sache que j'ai encore à faire. Je ne peux pas croiser les bras, me contenter de ce que je fais. On ne sert pas le pays seulement par la politique. Mais qu'est-ce que je dois, mais depuis qu'il a que cette histoire, depuis que mon fils, mon neveu m'a fait signe que voilà, il y a ça, ça, ça. Je me demandais qu'est-ce que je dois maintenant faire. Donc, jusque-là, j'ai pris mon Dieu pour qu'il continue à s'occuper de ses dignes fils. J'ai pris mon Dieu pour que je sois encore plus utile à ma communauté. Parce que si aujourd'hui, on m'a pointé des doigts, c'est qu'on trouve qu'il y a quelque chose de bien en moi. Pour l'histoire, il est plus qu'intéressant que les autorités de la République démocratique du Congo donnent une concession où sera érigé les monuments de nos martyrs et que ces lieux deviennent un centre de pèlerinage. Au-delà de la miraille, le nom de Sangouma Moussaï est lié à la panification avec deux pains dénommés pain Sangouma, à l'apprentissage de métiers comme la copé-couture, à l'agriculture et à la construction de centres culturels et de cliniques dans la ville de Guémena. La miraille de Guémena, une histoire désormais liée à la famille Sangouma Moussaï.